Pour commémorer 28 l'année depuis institution PNH la bail service sous tibout terre de Salina ak yon devise qui s'est protégé et servi tout ça qui chita en bas de la peau pays d'Haïti. Journée a te commencé ak plusieurs messes qui te chanté dans quatre coins pays a dans l'idée pour honorer tout policier qui risque vie pour protéger vie petite nation. N'a rappelé au PNH la te fondé en 1995. Si n'a compté jour pour jour date pour date ça fait 28 l'année. 28 l'année de combat depuis institution ça a goumé pour mettre sécurité dans pays a. Pendant cérémonie ça a déroulé, nous gen commissaire Miskaden qui te prend la parole pour saluer effort tout policier qui a fait travail là sans fausse côte. M'a invité au tendre un extrait dans déclaration si là. Paquet Pamna avec la police générale pour l'état de collaboration. Paquet Pamna, police nationale, l'ANIP pour l'état de collaboration. Commissaire Muscadet avec directeur la police Niplan pour l'état de collaboration. Donc Muscadet sont allés sur tous les policiers dans le département, sont allés sur les institutions policières en général. Donc je suis là avec eux, je vais sécuriser eux, je vais tout caler pour eux, je vais tout protéger eux, je vais toujours participer à notre opération qui a fait pour nous délivrer le pays. Qui est-ce que vous avez un policier qui tombe? Et ça qui tombe, on s'est dit malheureux. Et quand même, on a pas un courage, on a pas un policier par un courage, mais sauf que on a continué la bataille pour que les policiers tombent au parlement. À quel sentiment après dans la police? Bon, bien content de discuter avec vous. Je vous dis à faire 28 ans, même si les samedis, à cette époque, la police a décrit hier, mais quand même, son plaisir pour vous avec vous, pour fêter avec vous, je suis toujours là avec vous, tout le temps qu'il a fini, tout le temps que vous êtes là comme policier, comme travail de sécurité pays. Comment sécurité à l'Italie? 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 Comment sécurité à affectation des gaz, des gars qui n'ont pas de sujet, des gars qui ont pas de comme ça. Moi, même à la police, là, je travaille avec le conseil, je suis passé dans la rue, je suis checké vagabond, je suis checké et je suis gagné. Je suis gagné, je travaille, je suis SDP, je travaille, je suis gagné, je suis gagné, je suis gagné, je suis gagné. Moi, même moi, là, comme c'est gouvernement, je suis accompagné pour renforcer la sécurité dans la ville. Et je suis gagné la sécurité à taille, pour que je suis comme gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à nouveau pour ce qui est dans la ville? Et bon, quand même, je suis au courage, je suis au courage. Bon, faut être réactif parce que bah la pas facile dehors. Faut négocier rapidement. C'est sous commissaire au village. Continuer de nous continuer bonne information pour attaquer négocier à bouler. C'est sûr. C'est sûr. Oh, dans visage nos amis. Policière. Mesdames, messieurs, au nom du directeur général, commandant en chef AI des forces de police, je me tiens devant vous avec un sentiment patriotique et combatif pour saluer votre présence à l'église Saint-Jean-Baptiste de Miangouane à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Par votre présence, vous témoignez une fois de plus votre engagement indéfectible à continuer à supporter cette institution républicaine qui, depuis sa mise en place le 12 juin 1995, n'a cessé de manifester sa volonté de répondre à ses obligations constitutionnelles et légales de protéger et servir, de garantir la sécurité et la sûreté des institutions de l'État, souvent dans des conditions difficiles liées au contexte socio-politique et économique. Ce haut sens du devoir envers la population et notre chère patrie n'a pas été sans conséquence pour l'ensemble de nos vaillants policiers qui se sont engagés dans cette vie de sacerdoce au profit du bien-être commun. En effet, il y a de cela un an, qu'ils se tenaient devant une grande majorité et devant la nation tout entière pour prendre des engagements au nom de l'institution policière, de mobiliser toutes ses ressources et de mener une lutte ardue contre les gangs criminels et leurs complices pour que la paix et la sécurité reviennent dans nos rues et nos demeures.
grâce aux batailles livrées par nos vaillants policiers avec l'appui sans faille de la population, du gouvernement et des partenaires internationaux, nous pouvons aujourd'hui parler de plusieurs gains et réalisations obtenues en matière de sécurité, telles le déblocage du terminal de Vareu permettant la reprise des activités socio-économiques dont l'arrêt a paralysé le fonctionnement du pays tout entier. La neutralisation du chef de gang Timakak et le démantèlement de son gang libérant ainsi la zone de Thomassin, la boule de son emprise et permettant la reprise de la libre circulation des personnes, des biens et services. La neutralisation de plusieurs membres influents de certaines gangs de la zone métropolitaine, de l'Artibonite et autres, occasionnant ainsi l'affaiblissement de ces organisations criminelles et une baisse considérable des actes de criminalité, notamment le kidnapping durant ces deux derniers mois, pour ne citer que cela. Ces acquis sécuritaires n'ont pas été sans conséquence. Ils ont été réalisés au prix du sang, le sang du sacrifice, le sang versé de nos vaillants policiers sur le champ de bataille pour la paix, la justice, bref, pour l'état de droit en Haïti. L'heure est donc venue, à l'occasion de cet anniversaire, de vous inviter dans un devoir de reconnaissance à vous mettre debout pour observer un moment de silence et saluer la mémoire de ces héros de la liberté qui ont donné leur vie dans la lutte contre cette forme de guérilla pour la protection de la vie de leurs concitoyens et concitoyennes, sans oublier de manière plus générale toutes les personnes victimes de la machine infernale du banditisme. Anéa, la police a fêté 28e anniversaire. Au nom de la police nationale d'Haïti, au nom de la police des NIP, et spécialement en mon nom, je remercie très sincèrement et chaleureusement tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné leur franche et entière collaboration pour leur indisponibilité appuyée à la célébration du 28e anniversaire de la PNH, particulièrement à Miragouane. Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général, représentant du Monseigneur l'archevêque de Miragouane, Pierre-André Dumas, révérend père Isri Kiré de la cathédrale. Happy birthday to you.